Bonjour à tous, allez, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo de présentation, de création avec cette collection de papier. Vous trouverez cette création sur ma boutique en ligne dont voici le lien. Alors, il n'y a rien de neuf dans cette création, hein, c'est une création que j'ai déjà faite, que j'ai juste reproduit avec cette collection de papier parce que je trouve qu'elle s'y prête bien. Voilà, donc je vous montre la créa, donc la petite boîte. Alors pour celles qui me suivent et qui connaissent, vous avez très certainement reconnu de quoi il s'agissait. Donc, et on ouvre, hop, voilà, c'est la fameuse petite chambre. Alors, je vous présente la créa. Donc là, il y a une petite carte, elle fait 10 par 10. Donc, mon petit lit. Le petit nounours, c'est un tout petit nounours en espèce de résine, tout petit, qui vient de chez AliExpress. Donc je l'ai collé avec un stylo à colle, hein, tout simplement. Et les autres, c'est fait avec donc la collection de papier. Il n'y a que les papiers de fond, là, qui font effet plancher. C'est une feuille d'un bloc de chez Action. Voilà, ça fait, bah, pour que ça fasse chambre, je voulais que ça fasse effet plancher. Et puis, voilà, donc, tout simplement. Et après, ben, j'ai ajouté comme les autres, j'ai fait les petites décos. Les petites, le petit cadre licorne accroché au mur. Et là, c'est pareil. Donc, la petite lampe, un petit cadre licorne. J'ai pris exprès une feuille de collection de papier avec un petit dessin pour que ça fasse ben, papier peint, tout simplement. Voilà. Donc, et en prenant la prolongation du même genre de papier pour que ça ne dénote pas. Voilà. Donc, j'avoue que j'aime beaucoup cette créa. Donc, quand j'ai du papier un peu enfant, je la refais systématiquement parce que ben, elle me plaît. Voilà. Donc, elle est faite vraiment uniquement avec la collection. Hein, même les chutes de papier. Et encore, je dois avoir des petits bouts de papier. C'est des chutes de collection, de blocs de chez Action. J'ai pris dans les mêmes tons, en fait, hein, tout simplement. Voilà, mais c'est vraiment fait avec des chutes de papier. Toutes ces petites décos. Et voilà, donc elle se referme comme ceci. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine créa. Je crois que j'ai fini de faire des créas avec cette collection de papier parce qu'il me reste vraiment quasiment plus rien. J'ai encore quelques petites pages, donc peut-être que je refais encore un truc, je ne sais pas. Enfin, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est une collection que j'ai beaucoup aimée. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.